Bonjour à tous, premier cours, première vidéo de cuisses abdos fessiers, comme dans nos cours le jeudi soir. Voilà, nous sommes tous confinés à la maison, ce n'est pas grave, on va quand même s'entraîner. Donc prévoyez une petite bouteille d'eau et on commence, à tout de suite. Allez les amis, échauffement, donc échauffement commence. Pas un échauffement comme on fait cardio, comme on a l'habitude de faire. On commence par les chevilles, par les genoux, extérieur, intérieur. Voilà, bien dans la intérieur, extérieur. Voilà, on essaie de le faire 6 fois dans l'axe. On descend bien. On vérifie bien que les genoux sont bien dans l'axe des pieds, des chevilles. Allez, encore 2. On se relève le bassin. Bien circulaire d'un côté. Voilà, on fait 5-6 fois. Et de l'autre. Alors, 4, 5 et 6. Les épaules. Allez, on roule bien les épaules, on sait le faire. Inverse. Voilà, travaille bien tout ton corps. Les obliques qui tournent en même temps. Les coudes. Intérieur, extérieur. Intérieur. Les poignets. Le cou. Allez, bien devant. Derrière. Sur le côté. On tourne bien la tête d'un côté et de l'autre. Circulaire. Allez, doucement. Et de l'autre. Allez, nous allons commencer par donc les squats. Bien dans l'axe, les genoux bien dans l'axe. Je vous mets bien sur le côté. On a le dos droit, bien dans l'axe. On descend, on remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, fente avant, pareil, on est vraiment dans l'axe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, n'oubliez pas de respirer, 7, 8, on change de côté, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, détends les jambes, pareil, nous allons faire, squat, on remonte, côté, squat, côté, on y va, 3, 4, 5, 6, 7, de l'autre. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On détend les jambes. Respire. Allez, on détend, coup de pied devant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore, 1, 2, 3, 4, 5, 7, ça permet de désengorger. 8. Allez. De nouveau. Tourne. De l'autre. Et on reprend. On adore. Et squat. Alors, 1, 2, 3,
Fort d'avant. 1, tu changes la fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore squat. Allez. 1, 2, on y va. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On reprend les fentes. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on ne lâche pas. On continue. 7, 8. On reprend squat. Le pied sur le côté. 1. On change. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. Relâche. Prends un coup. Allez, on continue. On prend appui sur la jambe gauche. D'accord? On a les mains en hauteur. On essaye simplement de monter sa jambe droite et de taper tout en restant en équilibre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, tu fixes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Tu reviens. On positionne, pareil de l'autre côté, on appuie sur ta jambe droite, on parle, tu vas basculer ton bassin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tu fixes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8, tu reviens, détends, tu vas bien ton bout, j'imagine que oui, ça fait du bien de reprendre le sport, de rester chez soi, de rester chez soi, même si quelque part ça fait pas si longtemps que ça, mais on a l'impression que ça fait déjà une éternité. Allez, on se met la tête, comme si on attrapait une tête, on monte et on descend, sauf que là, on descend et on essaye de passer le coude derrière le genou. D'accord? 1, 2, 3. On fait fonctionner ses obliques en même temps. 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. De l'autre côté, positionne. Donc pareil, comme si on attrapait une tête. Simplement on lève et on tourne la taille. Le genou passe derrière le coude. D'accord? On y va. 1, 2, 3. On lève bien le genou. 4, 5, 6, 7, 8. Encore, allez. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 et 8. Relâche. Super. Allez, on reprend sur le côté. On descend fente avant. Donc on fait bien attention, toujours la trajectoire de sa jambe. D'accord? Le genou est bien en phase avec la cheville. Descend. On a toujours le dos droit. D'accord? Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre et monter. Descends et tu montes. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pareil de l'autre côté. Positionne. D'accord? On respire bien. On est tranquille chez soi. On peut en profiter. Descendre, tu montes et tu tournes. Descends, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Détends. Prends du plaisir, n'oublie pas. Respire, si tu as besoin de t'arrêter pour aller boire un coup, vas-y. Personne t'en empêche. Allez, un autre petit exercice avec les squats. Donc tout à l'heure, j'avais parlé des squats classiques. Bien entendu, pour mes amis élèves qui sont enceintes, je vous conseille donc simplement de ne pas descendre complètement, mais simplement de descendre en ayant les cuisses bien ouvertes, ce qui permet de le ventre de pouvoir passer. On descend selon ce qu'on peut. Si on descend un peu, c'est suffisant, ce qui permet de travailler tous les quadriceps, les ischios et les fessiers, petits et moyens grands fessiers. D'accord? Donc on y va tranquillement, toujours avec la respiration. D'accord? Pour nous, donc on va reprendre d'autres squats. Donc ce qui est pareil pour mes amis élèves enceintes, simplement ouverture, grande ouverture. Et nous on monte et on descend les pieds. Donc, même si vous n'êtes pas enceinte, à vrai dire, vous pouvez rester dans cette position-là. On a le dos droit, d'accord? Le ventre, il est rentré à l'intérieur comme s'il était inspiré. Et simplement, vous montez et descendez les pieds. On inspire. Si vous tremblez un peu, c'est normal. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore, 1. 2, 3, 4, 5, 6, j'imagine que vous commencez à avoir chaud, 7, 8, encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, attention, on reste sur la pointe des pieds. Et on laisse son corps trembler s'il tremble. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Allez, on y va. 1, 2, 3, avec le sourire. 4, 5, restez le dos droit. 6, toujours 7, sinon vous aidez les mains à l'arrière. 8, encore. 1, 2, 3, 4, 5, je vous regarde, on ne baisse pas. 6, je tremble. 7, et 8, relâchez. Relâchez bien. 8. Hop, ouvrez un peu plus ma fenêtre. Car effectivement, il fait chaud. Allez, nous reprenons les squats. On descend, on lève. Coup de pied à l'arrière. On travaille le haut fessier. 1, 2. Encore. Allez, on tape bien l'arrière. Descend. Tu tapes, descends, tu tapes, allez, 4, descends, 5, descends, 6, descends, 7, descends, 8, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, reprends et 1, tu tapes. Descends, tu tapes, 2, encore, 3, descends, 4, descends, 5, descends, 6, descends, 7, descends, 8, et encore les squats, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8, dernier, et 8, 7, 6, 5, ça travaille, 4, super, 2, et 1, tu fixes, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8, relâche, respire, bois une gorgée d'eau, vous allez allonger bien. Les pieds sont bien au sol, les mains sont sur la poitrine, on inspire et on souffle. Et avec le sourire, on inspire et on souffle.
de dos droit et on descend en enroulant. 2. Alors si vous avez un peu de mal, 3, 4, et donc ça va être les mains, 5, 6, 7, 8 encore, allez, 1, on tient, 2, 3, 4, 5, c'est bien sur la poitrine. 8. Allez, le dernier, on y tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bravo, félicitations. Nous allons maintenant se mettre sur le côté. Hop, je change de place. Le téléphone, vous vous rappelez, position plage. Donc voilà, on essaie de mettre bien le tapis. Enfin, je le mets de manière qu'on puisse bien se voir. En cours, c'est plus facile, on l'admet. Donc voilà, on pose bien son bras. Donc regardez bien, vous vous rappelez, lorsque je vous disais coude, épaule. D'accord? On n'est pas comme ça, on est vraiment, vraiment sur la tranche. On est vraiment sur la tranche du corps, ok? Et là, simplement, on monte et on descend. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on reste, on fixe, on base le muscle bien le bassin vers l'avant. On n'a pas bougé les bras, on peut s'aider en posant sa main devant, pas de souci. Au contraire, je vous conseille. Donc voilà, on essaie de maintenir, on est bien sur le côté du corps. On fixe. Allez, 8, 7, 6, 5, 4. Je vais durcir l'exercice. Donc peut-être que chez vous, vous avez une medicine ball, des petites balles qui sont un petit peu alourdies, d'accord? Ou vous pouvez faire sans, il n'y a pas de problème. Vous coincez, je vais prendre ça de couleur, je ne sais pas si vous voyez mieux, dans le creux du genou, on coince, voilà. La jambe est lestée et coincée par la petite balle. Et simplement, on pique. D'accord? On arrondit et on pique. Allez, on durcit. 1. On travaille bien le fessier. 2. 3. 4. 5. Allez, on travaille bien. 6. La balle est toujours coincée. 7. 8. Oui, on travaille bien les fessiers. Je sais. Il faut commencer à penser que ça commence à tirer un petit peu, ce qui est normal. On y va. 1, 2, 3. En même temps, on est là pour ça. 4, 5. Allez, encore. 6, 7, 8. Dernier. 8, 7, 6. Allez, vous êtes super. 7, 5. J'en ai loupé un. 4. 3, ça brûle, 2, ben j'adore, 1, on fixe, on est toujours bien coincé, on fixe, allez ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça grille, c'est bon ça, allez encore, on est bien sur le côté, on n'a pas bougé le bras, on vérifie, allez encore, allez je compte, 1, 2, 3, je sais c'est long, 4, encore, 5, 6, 7, et parce qu'on aime ça, 8, et ben on replonge, allez, 8 derniers, 8,
6. Et 5. Avec le sourire, on y va. Et 4. Et 3. Ça brûle, on le sait. 2. Mais c'est que c'est bon. 1. Allez, on relâche. On libère la jambe. On a la petite balle qui pèse quand même son poids. On peut aussi le remplacer, la petite balle, si vous ne l'avez pas chez soi, chez vous, pardon, par des haltères classiques. Ou vous avez aussi peut-être chez vous, ce qui se faisait très bien aussi. Les mettez sur le tapis, vous allez faire différentes planches dynamiques ou non dynamiques. Tout d'abord, on va devoir s'étirer. Vous allez vous positionner les mains sur le tapis, les pieds sur le tapis. Et vous allez essayer de poser le talon au sol et de passer le pied à l'intérieur des bras. Essayez d'avoir le dos le plus droit possible. On tire et dispire. On va appuyer. Donc c'est d'avancer un peu. Vous mettez un peu. On inspire toujours le dos droit. Inspire, maintien. Un peu tendu, 1, on pose, on va se mettre sur le côté, voilà, on est vraiment sur le côté, on se positionne, donc on n'oublie pas le coude avec l'épaule, on positionne, j'essaie de bien mettre, j'essaie de me voir en même temps, on est vraiment sur le côté. On se redresse, voilà, déjà on se sent en planche classique, sur le côté bien entendu. Pour un appui ou deux appuis, comme vous le désirez, moi je suis sur un appui. On respire. Respire, pause. Lorsque je parlais d'un appui, voilà. Un appui, c'est lorsqu'on est en le pied l'un sur l'autre. Vous pouvez positionner un pied sur le côté et l'autre sur le côté. Là, simplement, vous prenez appui, pied sur pied. Je vous positionne. Ah, c'est pas comme on court, on fait comme on court. Allez, on est vraiment sur le côté, d'accord. On reprend la position, le coude, l'épaule. Voilà, on se met en position, le bras en l'air. Et là, simplement, allez, coude, genou. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore, allez, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. J'ai failli tomber. Je suis tombée. On reprend. Ça arrive. N'inquiétez pas. Allez, on se repositionne. On se relève. Les bras en l'air. On ferme. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Relâche. Respire. On détend le bras, on se remet bien sur le côté. On va faire une petite pause simplement en faisant une planche classique. Soit vous avez les deux pieds écartés, soit l'un sur l'autre. Allez, on y va. Fessiers serrés, tout serré, c'est parti. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 7. Allez, on tient. 5, 4, 3, 2 et 1. Pose délicatement. J'ai bien dit délicatement.
On se repositionne. Donc on a fait la classique, on a fait en mouvement, on a fait sur les quatre points. Nous allons reprendre cette partie-là et simplement glisser. 1. Tu passes en dessous. 2. Allez. 3. 4. 5. 6, 7 et 8. Respire. Évidemment, on la fait d'un côté, on fait de l'autre côté. Allez, on se positionne. On est bien sur le côté du corps. Le coude en dessous de l'épaule. Soit sur un pied, soit vous pouvez vous mettre le pied à côté de l'autre, d'accord? On vous montre, voilà. Soit ça, pour maintenir sur deux appuis ou un appui. Moi, personnellement, je préfère un appui. On vérifie, coude, épaule, bien sur le côté du corps, un appui ou sur deux appuis, on maintient. On lève le bras et on compte. 1, 2. Nous revoilà. Allez, on continue sur les fessiers. Oui, tout à l'heure, j'ai oublié un exercice, c'est lui où on passait en dessous. Vous avez échappé à cet exercice-là. On reviendra lors d'une autre vidéo, il n'y a pas de souci. Allez, on se met sur les mains et sur les genoux. D'accord ? Nombreuses de mes élèves connaissent cet exercice qui travaille très bien les fessiers. Donc, on monte bien le genou qui va jusqu'au coude, on redescend et on le fait 8 fois comme ça. C'est l'intermédiaire. Après, on fait d'autres exercices où on monte sur le côté. D'accord? Après, il y a celui où on passe derrière et où on tape circulaire. D'accord? Donc à chaque fois, il y a l'intermédiaire du genou-coude. 8 fois. C'est parti. Allez. Les mains bien à plat. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur le côté, on lève bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reprends. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On passe sur le côté circulaire. On arrondit et on tape. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, reprends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on est toujours sur la même jambe, on décale les mains, on positionne la jambe sur le côté, on monte et on descend, et les pointes des pieds touchent le sol, vers la direction, vers le sol, je me décale un peu pour vous montrer, ok? Je reviens sur le tapis, mes mains sont décalées, on descend. 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8. Reviens tes mains et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, bravo. 6, 7, 8. Nouvel exercice, on décale les mains, on repositionne. Ce qu'on vient de faire, c'est qu'on va lever la jambe au niveau du bassin et on fixe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, tenez. 7, 8. Toujours même jambe, on revient. Encore. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu plies la jambe, je vous montre. Voilà. Et tu montes.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reviens à l'emboîte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu tends simplement des petits mouvements de serrage de fessiers. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Même jambe. 1, 2, 3, 4. Oui, ça commence un petit peu à tirer sur les fessiers, ce qui est normal. 5, 6, 7, 8. Tu tends la jambe. Petit cercle. De cette jambe-là, 5, 6, 7 et 8. Je reviens en face de vous, très bien. Mais j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Nous avons deux jambes à travailler. Donc c'est parti pour la deuxième jambe. Allez, courage. 1, exactement la même chose, tout à fait. 4, 5, 6, 7. 8. Côté. 2. 3. 4. Courage. 5. 6. 7. 8. Et reprends. Allez. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Circulaire. Pose sur le côté. Tu envoies. 1. 2. 3. 4. 5. Allez. 6. 7 et 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Décale les mains. On se positionne, je vous ai montré tout à l'heure, d'accord? On monte et on descend. On recule encore un petit peu. Et on touche avec les orteils le sol. D'accord? On monte et on descend. Je me remets sur le tapis pour éviter d'abîmer les genoux. D'accord? On monte, on descend, c'est parti. Allez, 1, 2. Évidemment, on a décalé nos mains. Je ne sais pas si je vous ai dit. Allez, c'est parti pour l'étirement. Après, les pieds largeurs du bassin. Vous allez basculer, rétroversion du bassin. Descends bien jusqu'au centre. Posez au sol, attrape les chevilles, amplifie. Descends sur le côté, jambes tendues, l'autre est plié, on maintient par le bras opposé. De l'autre côté, on fait à l'identique. Donc même bras, même genou qui pousse. On bascule sur le devant. Alors on a le dos droit. Inspire. Souffle. Referme les omoplates. Inspire. Toi pour remonter. Je vais me mettre comme ça. De l'autre côté. Pareil, descends. Allez, inspire. Souffle. Étire. Reviens. Allez, ça peut nous détendre. À nouveau, la jambe du bassin bascule. Allez, descends. Les jambes sont tendues. Referme par une pointe. Fermeture complète. Plie les jambes, déroule, déroule bien, remets le bassin en place, doucement, attrape ta jambe, on bien appuie, genou à côté de l'autre genou, on maintient bien,
on bascule le bassin. Je me mets de ce côté là pour vous montrer. On bascule bien le bassin vers l'avant, ce qui permet de bien étirer les quadriceps. Inspire, expire. Inspire, expire. Genou. Regarde bien en face. Bascule sur le côté. Descends. Attrape ton pied et tire. Très bien. Pareil de l'autre côté. On maintient bien son pied. Genou à côté de l'autre genou. Voilà. On monte. On bascule sur le côté. L'étirement des obliques. Inspire, expire. Inspire, expire. Mousse. Étire les ischios. Voilà, tranquillement. Voilà, on revient. De nouveau, on remet le bassin en place. On passe le bras devant. On appuie. Le bassin est bien en face. On étire les épaules. De l'autre côté, voilà, tout le haut du dos. On arrondit, on attrape avec son poignet pour étirer bien les obliques. On est bien dans la continuité du corps. On n'est pas sur l'avant, on est vraiment sur la continuité du corps. On attrape l'autre poignet, on inspire, on souffle, on fait identiquement pareil. Voilà, continuité du corps. Encore une fois, de chaque côté. Inspire, expire. Arrondis. Allez, détends le dos. Détends. Détends, 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 détends. Tourne les épaules. Voilà. On va terminer par la tête. Devant. Devant, sur le côté et circulaire et de l'autre. Voilà, ça fait du bien. Voilà, donc c'était la première vidéo. Donc il y a pas mal de petites erreurs certainement. Première vidéo, je ne suis pas habituée. Donc je donne généralement les cours en direct. Donc j'espère quand même que cela vous a plu. Vous avez pu quand même vous entraîner, donc ce qui est l'important et l'idéal, malgré ce confinement, qu'on puisse être là, tous ensemble, à s'entraîner. Donc voilà, merci beaucoup, merci de votre présence, et puis à bientôt. Au revoir, bye bye.